on est sur le vide-grenier d'Anisy. Et j'ai un marchand spécialisé dans des outils qui a une très belle collection qui va nous parler un petit peu de ses produits. Allons-y. Alors vous avez des outils de sabotier? Non, j'ai déjà compris. Ça c'est un outil de sabotier? C'est pas interdit. Oh ben heureusement. Voilà. C'est grand. Un outil de sabotier. Ok. Alors ouais. Ensuite, vous avez ici l'ancienne cisaille établie, cisaille à tôle établie, cisaille de taulier. Oui. Vous avez un arrache betterave. Si elle est un peu plus grand, le manche a été rajouté. Parce que maintenant, on peut faire autre chose avec. On peut arracher les carottes avec. Voilà. Encore l'outil là, très ancien, pour bourrer le béton entre les grosses pierres. Voilà. Voilà, outil de maçon. Outil de maçon. Nous avons encore un outil assez ancien. C'est pour écraser les pommes de terre, pour des cochons. Voilà. Baïonnette rectifiée de chez Wilkinson, voilà, avec le marquage, ouais, de 1907 transformé en fossile. Ok. Des pinces. Alors les pinces viennent être différentes. Les pinces à voyer. Les pinces à voyer. Ok. Oui. Quelques outils, là, les pinces de forgeron aussi. Bon, c'est pas encore les choses les plus anciennes. Hein. Ouais. D'accord. Des lanternes de calèche, tout en verre. Celle-ci, elle possède une suspension à l'arrière pour amortir les chocs. Oui. Celle-ci, elle date de 1917. Très bien. Ensuite, vous avez un effaroucheur à corbeau. Ouh, ce n'est pas qu'un effaroucheur à corbeau, oui, ça, on peut, oui, c'était on un peut. Système de défense, dans aussi, les oui, habitations. Oui. Après, voilà. Ils ont arrêté d'en vendre parce qu'il y avait problème. Ben, ça faisait du mal. Ouais, ouais. Voilà. Calibre 12. Calibre 12, c'est calibre 12. Ouais. Ouais. Manu France. Manu France. Ouais. Très bien. Ah, oui. Oui. Ah oui. Pour les queues de billard. Ouais. Alors on va voir l'autre, oui, voilà, la référence. L'autre côté avec le la système voilà. Qui cale la queue de billard voilà. Quand on l'a introduit et qui permet de la ressortir. Voilà. Voilà. Ouais. Fabrication Fleming. Ok. On a oublié d'en parler là. L'outil pour le cuir, là, pour couper le cuir. Ouais. On a tellement de choses à caser. Alors j'ai mis dedans, mais elle est propre. Hein. Oui. Ça, ce sont des anneaux. C'était sur un bateau, ça. Oui. On est dans la Castille. Un chef de cuir. Très bien. Ouais. Non. Pareil, ce sont des anciennes décorations pour les portes. Oui. Elles sont jolies aussi. Vous avez la lampe du voleur. La lampe du voleur. La lampe du voleur pour les policiers britanniques. Voilà. Hein? Made in London. Voilà. Fonctionne avec une bougie. Une bougie, oui. Voilà, on va l'ouvrir pour on voir, peut la... voir le principe. Oui, oui.
qui consiste pour la à pas se faire repérer. Voilà. Hop, voilà. Et hop, on est clair. Voilà. Superbe. Vous la mettre à la ceinture ou la prendre à la main. Alors vous avez la poignée forte. Superbe ouverture avec de boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Ouais, en bronze. Belle sculpture. Voilà. L'outil de boulanger. L'outil de boulanger. Bel outil de boulanger pour nettoyer le pétrin et faire les pâtons. Les pâtons. Ouais. Et puis une scie un peu particulière. Ah, vous avez votre outil là pour, pour filter les rayons de vélo, moto, les rayons vélo, moto et voiture, les rayons de bicyclette, vélo, voilà. Moto, voilà. Donc une manivelle, ouais. On fixe ça sur un établi, voilà. Et en haut il y a une filière adaptable qu'on va regarder, voilà. Hein, qui permettait de faire le filetage. Voilà. Super. Ouais. Et c'était Gouverneur, Paris. Oh, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Très bien. Et vous êtes monsieur ? Vervial Jean-Claude. Vervial. Vervial. Voilà, Jean-Claude. Depuis combien de temps vous faites ce métier ? 40 ans. 40 ans. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui